Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâche la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi sur son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo, pour l'épisode 56 de Pokémon Violet. Mais avant toute chose, donc c'est pour la capture de Dinglou. Bien sûr, bien évidemment. Mais avant toute chose, comme d'habitude, avant de passer à la capture de Dinglou, je vous laisse avec la vidéo qui va suivre. Ça va vous montrer cette fois-ci où sont les pieux sur toute la map pour libérer les chaînes du sanctuaire de Dinglou. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après la team. A tout de suite. Donc on se retrouve pour cette fois-ci pour trouver les pieux pour le Pokémon légendaire Dinglou et sont de couleur vert les pieux. Donc c'est parti. La vidéo que je regarde en même temps, ça dit alors c'est un peu dans la partie bleue. Alors la partie bleue, la partie bleue. Alors, alors attendez, là il y a ça ici là, bam bam bam, c'est dans ce sens là, et dans ce sens là, et Alors, là il y a le centre Pokémon qui est là. Et ça dit que c'est. Que le premier pieu il est par là. Ici là, par là. Il est à peu près par là. Voilà. Donc on va aller au centre Pokémon qui est juste là. Tac. Et on va aller chercher le premier pieu de couleur vert pour Dinglou. Le Pokémon légendaire Dinglou. Non, c'est parti, je rappelle qu'il y en a 8. Allez, c'est parti, let's go. On y va. Hop là. Hop. Ok. Ici. Hop. Hop. On monte. Hop là, regardez, il est juste là-bas. Voilà. Il est juste là, le pieu vert pour Dinglou. Donc on le ramasse. Hop là. Hop, premier pieu pour Dinglou. Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui. Le pieu s'est complètement désintégré quand vous l'avez l'extrait. Ok, donc maintenant on va voir pour le deuxième. Hop, on avance un peu dans la vidéo. Donc elle fait comme moi, elle monte. Et dans la vidéo, elle le trouve au même endroit là où on l'a trouvé. Hop. Et elle le trouve juste ici. Ok, voilà pour le premier pieu. Ok. Du coup. Hop. Ensuite, pour le deuxième. Du coup, elle montre que... Le deuxième, il serait... Hop. Donc, sévère. Sévère. Ce serait... Alors, attendez. Paf. C'est dans ce sens.
et il serait à peu près par ici. Il serait à peu près par là. Donc du coup, on va prendre, on va dire 60 Pokémon là, mais on va plus prendre 60 Pokémon là pour profiler tout droit. Donc voilà, on va prendre celui-là. Voilà, let's go pour le deuxième pieu pour Dinglou. Ok. Ok. Du coup. Hop. Oh, mais non. Fer de terre. Ok. Hop. Hop. Ok. Oh, il y a encore des objets partout. Hein. Un truc de fou quand même les objets. Hein. Un truc de malade. Hein. Tac. Regarde-moi ce travail. Regardez-moi tous les objets qui traînent là. Regardez, c'est trop abusé. Mais regardez, il y en a plein partout, c'est trop abusé. Tout ce que j'ai pas vu au cours de mon aventure. Oh, c'est abusé. Oh lolo. Pardon, excusez-moi. Hop. Oh là, mais il y en a de partout, c'est abusé. Il y a des objets de partout. C'est vraiment beaucoup trop abusé là. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Ok. Ah, ça met où ? Ah, j'ai cru que c'était un colorieur, je vais dire quoi ? Colorieur dans cette version. C'est qu'il y en a un jour, hein. Mais bon, pour l'instant, non. Hop, on monte. Oh. Ça me saoule que j'ai pas vu tout ça au cours de mon aventure niveau objet. Regardez-moi ça. Oh là là, on perd du temps avec ces objets de merde. Un truc de fou quand même, hein. Non, il est pas bon non plus, c'est cool. Oups, un gros boule. Oh, en plus. Mais non, mais toi, Vildin. Oh là là. Mais non. Ok. Hop, ok. Donc. Ah, il serait là. Hop. Hop. Eh, regarde, il est là. Ah. Le deuxième pieu pour Dinglou, il est là. Au milieu. Ah. Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire ? Ok, deuxième pieu pour Dinglou. Le pieu s'est complètement désintégré quand vous l'avez extrait. Ok. Alors. Tac, deuxième. Alors, deuxième pieu, il est libéré. Ok. Donc, elle a pas pris le même chemin que moi sur la vidéo. Moi, j'ai pris directement au milieu, mais voilà, mais sinon. Là, au même endroit que moi. Voilà, donc, après son deuxième, ensuite le troisième pieu pour Dinglou. Il est. Il est pas très loin de là où on est en fait. Pas très loin de là où on est. Il serait juste ici à peu près. Voilà, juste ici. Donc, c'est parti, on y va, let's go.
même pas très loin. Hop. À mon avis, je crois qu'il était là par là, je crois. Il me semble qu'il était là, mais au cours de notre aventure, je crois qu'on l'a déjà libéré. Je vais regarder sur la vidéo, mais je crois qu'il était dans les parages. Mais si c'est ça, au cours de notre aventure, on l'avait déjà libéré. Donc je vais regarder la vidéo, je suis en train de regarder la vidéo. Mais c'est ça, si on le voit plus, c'est-à-dire que je l'avais déjà libéré au cours de notre aventure. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je crois qu'il était là. Au cours de notre aventure, il était juste là. Juste à côté de cette pierre, en fait. Ouais, c'est ça. À côté de cette pierre-là. Il était juste là. Et vu qu'on le voit plus, c'est-à-dire qu'au cours de notre aventure, on l'a déjà enlevé. Donc, du coup, c'est good. C'est good pour le troisième. On l'a déjà enlevé. Du coup, non, on va voir pour le quatrième, du coup. Oula. Oh là. Là, on se barre. Donc, là, on se barre comme ça, bam, et il serait sur la petite île. Le quatrième, il serait sur la petite île qui est là. Voilà, donc let's go. Bon, on continue du coup. Alors, du coup, par curiosité, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme Pokémon. Ah, c'est Pikachu, ok. Hop. On y va, c'est parti, let's go. Let's gong. Mais non. Mais non, Fantirme. Bon, j'ai pas, mais ça, on verra plus tard pour capturer, pour ceux qui nous manquent, tout ça. Ça, on verra plus tard. Hop. Hop là, on a aussi un objet. Ah. Ok, regardez, il est juste là. On le voit là. Il est juste sur la petite île qui est là. Hop. On va prendre l'objet qui est là. Là, il y a un mordu d'or en plus qui est là. Un mini traco là-bas. Voilà, il y a un Ramoulos là. Il y a des Ramoulos là. Alors, du coup, on le prend là. Donc ça, c'est le quatrième. Hop. Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui. Le pieu s'est complètement désintégré quand vous l'avez extrait. Du coup, donc ça c'était pour le quatrième pieu. Tac. Hop. Du coup. Elle aussi, elle va sur la petite île pour récupérer son pieu, son quatrième pieu. Voilà, et elle va nous montrer pour le cinquième pieu, du coup. Pour le cinquième pieu. Tac. Du coup, le cinquième pieu. Le cinquième pieu, il serait... il serait pas très loin où on est, je crois. Donc, hop, il est sur l'île en face encore. Donc, il serait juste là, en fait. Tac. Voilà, donc c'est parti, let's go, on continue le chemin. Hop. Donc, il serait vers là-bas, j'imagine. Hop là. Hop là. Ok. Regardez, il est juste là. Ok. Et on arrive à destination. Hop là. Hop, pour le cinquième pieu. Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui.
Ok. Le pieu s'est complètement désintégré quand vous l'avez extrait. Tac. Hop. Donc là, c'est pour le cinquième pieu. Du coup, hop. Pareil. Là, ça avance. Ah, il y a un étoile dans les parages. J'ai entendu. Hop. Du coup. Hop. Ok. Tac. Et elle va nous montrer pour le sixième pieu. Du coup, il serait... Attendez que je mette un petit peu en arrière. Tac, ok, sixième pieu. Du coup, ouais, ok. Alors, du coup, il serait... il serait à la pointe, ici. Hein. Mais non, oh. Hop, il serait carrément à la pointe, ici. Hop. Du coup, on va aller prendre le centre Pokémon qui est là. Passe moins loin, peut-être. Ouais, allez. Hop. Voilà. tac. Ah, on part par là. Hop. C'est un Meowth. Ok. Ah, c'est un motorisard qui vient de passer. Hop. Encore un objet qui est là. Ah bah regardez, il est juste là. On le voit, il est là, il est là. Hop là. Donc ici il y a un objet juste à côté. Ok. Hop. On s'est mis ce pieu de couleur noire et le porter dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui. Ok. C'est complètement désintégré. Vous l'avez extrait. Ok. Donc là c'est pour le sixième pieu. Et là, elle va nous montrer pour l'avant et dernier pieu. Tac. Voilà. Donc là, on va savoir où se trouve l'avant et dernier pieu. Donc le l'avant-dernier et septième pieu. Alors, il serait. Alors attendez. Je m'y repère bien. Pour le septième. Du coup. Au septième, il serait. Donc là, on est là, bien sûr. Bah, juste ici, en vrai. En fait, il serait là. Voilà, il serait ici. Tac. Donc, on peut continuer. On va faire un peu de chemin, mais voilà, on peut continuer en vrai. Comme ça, bam. Alors. Tac. Hop. Il y a un mort dedans dans les parages. J'ai entendu, il est... Il y a un mort dedans dans les parages, il est où? Attendez, il y a un objet là, juste là. Ah. Oh. Ok.
Ok, on s'en fout, passons mardi dehors. Tant de chercher où il est. Hein. Les intérêts, c'est les pires. Regardez, il y a des objets encore partout. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable tous ces objets. Oh, encore une hyperbole en plus. Génial, bingo. Tant qu'il y a des hyperboles, moi ça me plaît. Mordu dehors encore. Hop. Hop. Allez, encore un objet. Hop. Encore un objet ici. Encore un objet ici. Hop. Encore un objet ici, ok. Hop. Un objet ici. Encore un objet là. Ok. Encore un objet là. Ah, c'est incroyable les objets, regardez, encore un là. Hop, et le pieu il est juste là. Voilà. L'avant et dernier et septième pieu. Voilà. Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui. Le pieu s'est complètement désintégré quand vous l'avez extrait. Ok. Hop, et là, elle va nous montrer pour le dernier pieu du coup. Le dernier et huitième pieu. Hop, elle récupère son septième pieu dans la vidéo. Tac. Ok. Et huitième et dernier pieu. Il se trouve. Alors. Il se trouve un peu dans la partie. Là, c'est alors. Attendez. Je crois que c'est dans cette partie là. Bam 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 bam. Ouais. C'est là donc il se trouve. En vrai, il se trouve à peu près par là je crois. Donc ouais. Donc c'est parti. Nous on est où? On est par là. Bon, on pourrait continuer le chemin, ouais. Ok. Du coup, hop, il y a encore un objet là. Non mais c'est pas possible tous les objets. Regardez-moi ça. On est trois là sur mon chemin. C'est abusé. C'est franchement abusé quoi. Oh, encore une hyperbole, génial. Ok, ça va me faire des hyperboles. Ça va me faire pas mal. Hop. Allez, encore un objet ici. Une attaque, déflagration, ok. Chronoboule encore, ça m'en fume des mêmes. Encore un objet là. Tac. Et là, encore là. Voilà, huile, hop là. Donc on va aller par là pour chercher le dernier pieu. Hop. Ok. Hop. Alors, j'arrive.
Ok. Hop. Ok. Respirer, tomber et tout. Ok. Il serait où le pieu? Il serait là. Ah. Ok, normalement, on va entendre d'un glou. On va l'entendre d'un glou. Assignez ce pieu de couleur noire posé dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui. Là, on va l'entendre. Un pieu, c'est le pieu s'est complètement désintégré quand vous l'avez extrait. Cette voix mystérieuse venait du sanctuaire. Quoi cette grotte là? J'ai vu qu'il y avait une grotte ici là. J'ai vu qu'il y avait une grotte là. Ok, ça mène là, ok. Ok, tête de fer, ok. Ok, dans la glace, ok. Ah, les coups de lag. Hop. Donc on retourne là où on était. Ah, on était là je crois. Du coup, ce sanctuaire, un dinglou. Je sais plus s'il est en dessous, mais je crois qu'il doit être en dessous, je crois. Il doit être en dessous. Hop. Donc là, elle aussi elle prend son dernier pieu. Tac. Hop. Tac. Et elle va nous montrer où est le sanctuaire de Dinglou. Alors. Sanctuaire de Dinglou. Il serait à peu près vers là au milieu là. À peu près là au milieu là. À peu près par là ouais. Hop hop. On va y aller. Hop. Ok. Ok. Encore hyperbole, génial. Bingo bango pour les hyperboles. Ah, on l'a filmé. Ah, attendez, là, il y a encore un objet. C'est chiant. Ah, contre, voilà. Alors, son sanctuaire a dingo. Serait où? Donc voilà, non?
Il est pas dans les parages, son sanctuaire. Normalement, normalement, je suis dans les parages. Ah, il est là. Voilà. C'est bon, on l'a trouvé. Voilà, les amis. Au sanctuaire de Nanglu. Hop, on va sauvegarder. Petite sauvegarde. Hop. Voilà. Tac. Du coup, les amis, on se retrouve pour la capture de Nanglu. Donc, je vous dis à tout de suite. Relatim. Bon, maintenant que vous avez vu où sont les pieux pour libérer les chaînes du sanctuaire pour Nanglu, on passe maintenant à la capture de Nanglu. On va essayer de le capturer. Donc c'est parti, on y va, let's go. On passe au mode switch. Voilà, et c'est parti. Allez, on va essayer de le capturer, ce Nanglu. Voilà, voilà. Allez. On va capturer Nanglu, Nanglu, Nanglu. Allez. Donc du coup, on laisse Flamingator pour le brûler avec feu follet. Donc là, du coup, on a combien de hyperboules? Parce que je sais qu'on a ramassé pendant qu'on était à la recharge des pieux. On a 48, on a pas 50 hyperboules. Hein. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Donc pareil, si à un moment il meurt, on fera pareil comme dans la vidéo précédente. On quittera sans sauvegarder et on reviendra sur le menu de la Switch pour rebalancer le jeu pour après essayer de recapturer Nanglu, parce que quand il meurt et qu'il se referme dans son sanctuaire, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, et ben on a beau cliquer sur le sanctuaire, il peut plus s'ouvrir pendant un bon petit moment. Donc quand c'est comme ça, vaut mieux relancer le jeu sans avoir sauvegardé, parce que si on a sauvegardé, bah c'est mort. Il faut attendre vraiment très très longtemps pour qu'on puisse le rouvrir de nouveau. Et après, donc du coup, vaut mieux éteindre sans sauvegarder et rebalancer le jeu. Et comme ça, on peut l'ouvrir de nouveau. Donc voilà. Si on ouvre pour Nanglu. Un bruit étouffé provient du sanctuaire. Voulez-vous toucher le sanctuaire? Clic, 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 clic. Blanc. Nanglu. Pom, 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 pom. Allez, feu follet. Hop là, on l'a brûlé. Il fait mal. Ça. Il reste quand même beaucoup de vie. Ah ouais, c'est super beau. Et aussi il a cataclysme là. Et on va faire super beau là. Et ça fait deux fois qu'il est vite mon Flamingator. Oui. J'entends super beau. Mm-mm.
On tente l'hyper bol. Ça brûle une fois. Petit coup critique ne ferait pas de mal. Un peu. Je sais plus comment ça peut voir. Et charge. Alors tant que c'est pas bol. Putain. Il va mourir. Il est mort. Un glou de nouveau été scellé dans le sanctuaire. Hey, c'est justement pour ça. On dirait que le sanctuaire ne s'ouvrira plus pendant quelques temps. Donc voilà. Tac. Hop, on fait ça. Bam bam. Ça va sauvegarder, bien sûr. Tac. Et on relance le jeu, bien évidemment. Voilà. Ah là là, compliqué, hein. Il faut garder son mal en patience, hein. Putain. C'est déjà compliqué pour l'autre. Donc l'autre, on l'avait capturé au bout la première fois qu'on avait relancé le jeu. Donc j'espère que là ça va être le cas pour lui. Dingue. J'ai testé un truc parce que je sais qu'avec les chouilles, au bout d'un moment ça peut paralyser. Donc je me dis que... Voilà. Déplacer. On va essayer avec lui. C'est-à-dire qu'à force de faire les choux, peut-être qu'il y a un moment donné, il sera paralysé. Peut-être qu'il y a plus de chances de le capturer, je sais pas. On va voir. Je sais que des fois, c'est... Voilà, avec les choux, voilà, il y a des... Ça paralyse au bout d'un moment. Kik, 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 kik.
En voulant. Hop, les chouilles. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, il est paralysé, c'est bon. Il est paralysé. Donc c'est good. Les choux, au bout d'un moment, ça paralyse. Donc du coup, je peux pas faire fofoler non plus. Vu qu'il est paralysé, donc voilà, je peux pas. La moquaise. Ok, il est très bon, très bon, Briochin. Là c'est bon, là on attaque plus, là il est paralysé, il reste plus que ça de vie de rouge, donc voilà, là on peut être bon là. Yes, on a eu dans le Super Bowl. Ouais, let's go. Allez, catch un dinglou. Ah ouais, c'est une bonne technique. Let's go. Du coup, ça nous dit quoi? Attendez. La cam. Merde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Sa tête est si lourde que quand il la pose en douceur sur le sol, celui-ci se fend et une faille de 50 mètres de profondeur se forme. Ok. Hop là, let's go. Tac. Hop. Et voilà. Ça c'est fait, les gars. Une inscription à peine lisible est gravée sur ce sanctuaire. Le sceau qui retenait l'urne du fléau est brisé. Ok, donc maintenant dans la boîte PC, hein, là on a Baojian, on a Zhongxian et on a Dinglu. Il reste plus que Yuyu à voir. Let's go.
Donc c'est cool. Voilà. Hop. Allez, on quitte là. On va aller au premier centre Pokémon qu'on voit. Ouais, je dirais, on va se barrer ici maintenant. Voilà. Hop là. Hop, ok. Hop, déplacé. Hop là. Hop. Ball, ah, on va prendre comme ça, ça ferait 24. Oh. Bah, allez, on va arrondir 25, allez. 25. Voilà. Ça, c'est mieux. Et les Super Ball, toujours à 48. En tuile, j'ai envie d'en prendre encore deux, comme ça, ça fera 50. Quand on a rendu à 50, voilà. Comme ça, ça me fait 50 Hyper Ball. Voilà. On l'a rendu. Ah, attendez. J'ai entendu un mordu d'or. Dans les parages. Il est là. Et voilà. Hop. Avec une petite sauvegarde. Voilà. Voilà. Alors, on regarde encore une deuxième fois. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, bah, les amis. Voilà. Bon. Bah, écoutez. Ça fait comme Jean-Jean, Dinglou, on l'a capturé au bout de la deuxième fois, enfin au bout de la première fois qu'on avait relancé le jeu. J'ai fait la technique de le paralyser, de faire l'échou deux fois pour le paralyser. Après, j'ai fait ma chouille, j'ai fait Damoclès. Après, comme il était mort, bah, j'ai envoyé Rugilune et j'ai fait Danstraco. Et après, j'ai fait plusieurs fois. Je crois. Jusqu'à temps qu'il soit dans le rouge, qu'il y restait ça de PV. Et après, j'ai lancé une Super Ball. Il est ressorti. Et après, j'ai lancé une deuxième fois une Super Ball. Et il est resté dedans. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà, on y est presque, les gars. On y est presque. Il reste plus que le dernier Pokémon légendaire, Yuyu, à capturer. Et après, on aura capturé les 4 Pokémon légendaire. Voilà, voilà. Bon, la team. Voilà pour cet épisode 56. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond la vidéo. C'est des nouvelles qui arrivent sur la chaîne et que vous voyez que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et après, une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'activer petite cloche des notifications sur tout, parce qu'il y a surtout personnalisé aucune. Vous me cliquez sur tout, comme ça pas de notif, il y a une notif qui vous prévient qu'il se passe si ça sur la chaîne. Et puis, voilà, ça permet de plus rien louper. Si, et aussi, ouais, et en plus, que ce soit mes vidéos, ma chaîne principale ou ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à partager à fond sur vos réseaux sociaux, les gars, je compte sur vous, et que comme ça, qu'on y arrivera, et qu'on en aura certains d'abonnés sur YouTube, et qu'on en aura certains de followers sur Twitch. Sur YouTube, je suis à 480,
98, je crois. J'étais à 500, mais je suis retombé à 498. Donc, si on peut remonter à 500 et après faire plus que 500, ça serait cool. Et voilà, et sur Twitch, je suis presque à 500 followers. Donc, bientôt, peut préparer que YouTube. Donc, ça fait plaisir. Et puis, voilà, let's go, que l'aventure continue. Que ce soit... donc pour ceux qui avaient l'habitude de me voir par le passé, stream tous les jours sur YouTube, c'est sur Twitch maintenant que ça se passe les streams, donc je suis en stream tous les jours sur Twitch, je stream, donc n'hésitez pas, en description des vidéos et dans mon à propos de chaîne YouTube, il y a le lien justement de ma chaîne Twitch, donc il y a plus à cliquer dessus, ça vous montre tout droit ma chaîne Twitch, et une fois que vous êtes sur ma chaîne Twitch, sur la page, et bah si vous n'êtes pas encore follow, vous cliquez sur le bouton suivre, et une fois que c'est fait, vous me suivez, et bah après il n'y a plus qu'à attendre une notif de moi, et dire sur les notifs de moi, vous me passez me faire un coucou dans le chat, et puis voilà, je sors les vidéos le mercredi, samedi et lundi sur la chaîne YouTube, et voilà quoi. Et en plus, en description des vidéos, dans ma propos de chaîne YouTube, il n'y a pas que le lien de ma chaîne Twitch que vous pouvez retrouver, mais vous pouvez retrouver aussi également mon Twitter, mon Insta, mon Facebook, mon Snap, mon TikTok. Et pour ceux qui vont savoir 15 ans ou plus, mon Discord. On commence à être une belle petite commune, on répond à tout le monde. Et moi, je suis actif sur les autres réseaux sociaux. Et je réponds à tout le monde facilement. Donc, vous pouvez me contacter facilement, me trouver facilement. Et voilà, et moi, je réponds avec plaisir. Il n'y a pas que sur ma chaîne YouTube qui est mes réseaux sociaux, mais il y a aussi sur Twitch. Donc, quand vous passez me voir dans le chat, il y a le Vizbot qui fait la pub pour mes réseaux sociaux, pour mon YouTube et mes autres réseaux sociaux. En plus, et puis il fait la pub aussi pour mon Epic, pour ceux qui veulent m'ajouter sur Fortnite. Et je vous souhaite avec grand plaisir. Mais aussi, en plus du Vizbot, dans le chat, vous pouvez aussi interagir avec le Nightbot aussi. Donc, vous faites pas exclamation Y. Le Nightbot vous donne ma chaîne YouTube. Vous faites pas exclamation R. Le Nightbot vous donne tout ce qui est Twitter jusqu'à TikTok. Vous faites pas exclamation D. Le Nightbot vous donne mon Discord. Vous faites pas exclamation Epic. Et le Nightbot vous donne mon Epic pour m'ajouter sur Fortnite. Et moi, je vous souhaite avec grand plaisir. Et puis, voilà. Et mes réseaux aussi. Il n'y a pas que dans le chat aussi qui sont. Ils sont aussi sur ma chaîne Twitch dans ma bio. Donc vous voyez, il y a la description de ma chaîne Twitch, et juste en dessous, il y a mes réseaux. Donc voilà, donc mes réseaux traînent vraiment partout, sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube, ils sont vraiment de partout, vous pouvez pas me louper. Donc voilà, c'est... Si vous voulez, voilà, je suis actif sur les réseaux, je vous réponds facilement. Donc, voilà, voilà. Et pareil, en général, sur mon TikTok, je sors des vidéos aussi, enfin, des petits clips, des vidéos... le mercredi, samedi, lundi aussi en même temps que sur mon YouTube. Donc vous pouvez retrouver de tout et n'importe quoi. Donc il peut y avoir des clips de ma chaîne Twitch, donc des moments drôles. Ou des moments drôles, donc quand je suis en grand cam comme ça. Des moments drôles sur Fortnite. Ou des moments où je fais des top 1. Par des vidéos qu'avec un filtre, ça me transforme en personnage animé. Des vidéos que vous voyez danser Michael Jackson. Des moments de des petites vidéos pour Noël, Nouvel An, enfin voilà, c'est un mix de tout, un mélange de tout et n'importe quoi. C'est comme ma chaîne YouTube et comme ma chaîne Twitch, je fais ce qui me plaît, puis voilà, du moment que je m'amuse, c'est le principal. Puis voilà, puis là je suis à 115 followers sur TikTok, et si un jour j'arrive à débloquer les 1K de followers, ça serait bien que je pourrais débloquer aussi les streams sur TikTok, faire des streams IRL ou des streams avec le jeu en plus de Twitch. Et puis voilà, mais pour l'instant je suis encore loin sur TikTok, donc c'est pas de mal la veille. Voilà, parce qu'il faut 1K pour avant c'était 500 pour débloquer les streams, mais maintenant c'est 1K, donc voilà, donc je suis encore loin d'avoir les 1K sur TikTok. Voilà, bon, la team, c'était Keke pour l'épisode 56 de Pokémon Violet. Et on se retrouvera bien sûr pour l'épisode 57 pour la dernière capture du Pokémon légendaire Yuyu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi en attendant, je vous dis tchuss la team.